Okay, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je tourne une vidéo avec ma meilleure amie. La tabarnak, elle a mis le même gilet que moi. Le même gilet que moi. Ah, check, par exemple, moi, j'ai un spot de mouillé en dessous du bras. Arc! Regardez avec qui qu'on est. T'appelles Caroline. Caroline, bonsoir. Caroline vierge. Caroline célibataire. Caroline coquine. C'est Caroline! Oh, hey, est-ce que vous vous rappelez quand j'avais donné 100$ à mon ex Cédric pour qu'il ait magasiné pour moi des vêtements? C'était nul à chier, hein? Il avait pas vraiment relevé le défi. Ouais, il m'avait acheté des petites robes de petites putes de princesse que j'avais pas vraiment apprécié, puis je comprenais pas parce qu'on a quand même été ensemble 5 ans, puis je veux dire, on me connaît. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience avec ma meilleure amie? On s'entendit pour dire que si ma meilleure amie ne relève pas le défi, je démissionne de ma propre vie. Fait que j'ai un brun ici, présent. C'est pour payer mes factures. C'est pour payer ton loyer, Mathieu. Fait que Caroline, elle s'en va au Village des Valeurs, toute seule. Elle s'en va magasiner. Bonnie avec moi. Ouais, elle s'en va magasiner pour moi. Pour moi, hein, pour moi. N'oublie pas que c'est pour moi qu'il faut que tu magasines. C'est contraire que c'est ton genre d'oublier. Finalement, t'as rien, pis t'es comme, oh, mais je l'aime vraiment ce gilet-là, ça te dérange-tu si je le garde? Pis je suis comme, fait que c'est parti? Ouais. Ben, t'es parti. Imagine, je reviens avec 5 bébés chiens. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pas de linge, 5 bébés chiens. 5 bébés golden. Bobby, des amis. On s'en bat les couilles. Des amis chiens. On s'en bat les couilles. Les chiens. Ben, Caro. Ben. Caro a eu la brillante idée que je vous demande sur Instagram de me poser des questions croustillantes pour que elle aille répondre. Parce qu'on s'entend-tu qu'une meilleure amie, ça sait tout? Est-ce que tu penses que tu sais tout de moi? Moi, je pense que oui. Ah oui? Genre, ouais. Fuck. Tout. Je pense que du plus deep secret, je le sais. Je suis normal, peut-être. Ouais. Fuck. Fuck, ton fille pense qu'il va magasiner. Dude! Alors, viens ici, là. Tu vas pas au magasin, là. Tu restes avec elle. Et ton bébé? C'est bien malaisant être youtubeur. Bon, fait que avant de me rendre au Village des Valeurs pour dépenser l'argent que Cass m'a donné pour m'acheter du nouveau linge, on a demandé tantôt sur son Instagram que vous lui posiez des questions puis que j'allais répondre à sa place. On commence avec celle-ci. Cass a pu-tu de la gueule? Cass ne pue pas de la gueule. Je pense que j'ai jamais senti Cass puer de la gueule. Exemple, qu'elle boit un café ou que, je sais pas moi, on vient de faire de manger, la première chose qu'elle va faire, c'est se prendre une gomme. Elle prend tout le temps de la gomme. Elle a tout le temps de la gomme avec elle. Fait que c'était une belle histoire. Qu'est-ce qui me gosse le plus chez Cass? Je dirais, c'est que je trouve que Cass se fie trop sur les autres. Cass, si elle peut prendre le chemin facile pour faire quelque chose ou se fier sur quelqu'un pour le faire, elle va le faire. Fait que, mettons qu'elle serait capable de juste travailler un petit peu plus pour, je sais pas moi, apprendre à comment faire quelque chose, puis que je suis avec elle, ben finalement, moi, si je sais comment faire, ben elle va se fier sur moi pour le faire, elle le fera pas par elle-même. Puis j'en réponds une dernière avant de partir. As-tu déjà touché le sexe de ta meilleure amie? C'est comme ma sœur. J'ai le même feeling avec ma sœur. Puis j'ai pas vraiment envie de toucher le sexe à ma sœur. C'est tellement malaisant. Je sais pas comment quoi je fais ça. Je fucking demande en plus. Quand ça m'agacine souvent dans la section des enfants, puis des hommes aussi. Fait que des chandails de gars, puis des pantalons de petits gars. Camille en va dans trois quarts. Je vais continuer à faire un tour, puis je vais vous montrer ce que j'ai pogné. On verra. C'est quand même drôle, regardez ce que j'ai trouvé. C'est le même chandail qu'on avait tantôt, les deux. Mais en rose. Que je m'en vais rejoindre Cass, puis je vais vous montrer ça. J'ai acheté à peu près une quinzaine de morceaux. No joke. Genre, à peu près 15. Des affaires que j'aime quand même. Fait que si elle les aime pas, ben moi je suis contente. Puis il y a quelqu'un qui a demandé c'est qui la personne la plus précieuse pour Cass. Si je répondais en tant que Cass, elle dirait probablement Moumou. Mais je réponds en tant que Caro, alors je vais dire moi. C'est moi la personne la plus précieuse pour elle. Combien de fois elle se lave par semaine? Je te dirais pas beaucoup. On en a déjà parlé parce que je suis un peu comme sa mère. C'est ça. J'ai dit que pour 2020, elle devrait prendre le temps de se laver plus souvent. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, elle pue pas. Elle pue jamais. T'appelles-tu? La police en va lui donner une contravention parce qu'elle se lave pas assez. Si j'ai déjà pogné Cass en train de se toucher, ben vous le savez, Cass elle habitait chez nous pendant peut-être un mois et demi. Puis ça a toujours été la règle numéro 1. Le touchage, c'est pas chez moi. Non, je sais pas. J'ai pas envie de savoir qu'elle s'est touchée dans mon appartement. Ça m'intéresse vraiment pas. À savoir, vraiment pas. Puis j'espère qu'elle l'a pas faite. Qui va vivre? Bonjour! Je me suis juste touchée. T'as pas fait ça pour vrai? J'espère parce que j'ai dit dans la vidéo, j'ai parlé du fait du touchage dans l'appartement. Oh my god! Ça a tellement été long, calé. Ça fait 2 heures que je suis là puis je fais rien puis j'attends. Puis je suis comme, mais je voulais être sûre que mes choix étaient, c'était des bons choix. Ok, de 1. Puis quand ça m'a donné un 100, un brun, je suis revenue avec 13$. Puis j'ai acheté 12 morceaux. 13$, c'est quand même 22 shooters.
12 morceaux. 12 morceaux? 12 morceaux. 12 morceaux genre vêtements et accessoires? J'ai acheté aucun accessoire. Ok. Fait que 12 vêtements? Ouais. J'étais comme, on dirait, je sais tellement comment qu'un magazine. Fait que j'étais au village, la première année dans laquelle j'étais, c'est dans les pantalons. Ah, impossible! Enfant. Parce que je sais, tu m'avais dit, des fois, j'achète des pantalons enfants. Ouais. Et je prends les plus grands, trois quarts, ça me fait, c'est beau, ça me rousse. Ça, j'étais dans les hommes, dans les chandails d'hommes. Oh my god, oui. Toujours. Est-ce que tu me connais? Puis après ça, j'ai fait genre 15 fois toutes les rangées. Ben voyons donc, t'as-tu eu du fun? Super. Hey, genre super, mais j'ai envie de me gonner. Est-ce qu'il y a des affaires que t'as achetées que tu t'es dit, ça c'est la casse, mais moi je porterais pas ça? Ben c'est drôle parce que oui, une affaire. Okay. Comme je l'ai vu, puis j'étais genre, c'est sûr qu'elle avait aimé ça, mais moi je porterais pas. Hey, je suis folle comme la calice de mort. Ok? J'ai de la misère à t'écouter tellement, genre je suis comme ex. Are you ready? Oui. Okay, fait que je commence par le morceau robe chandail. Ok. Celui-là, je pense que c'est mon article. Non, c'est pas celui-là. Je m'en dis, c'est l'article le plus cher. C'est ça, c'est 99. Quand même. Ouais. Mais je te dis, je pense que c'est mon article le plus cher et 10$. Ok, chill. Ok? C'est bon, ça. Fait que celui-là, c'est celui-ci comme ça. On voit vraiment pas tant bien, là. C'est comme un par-dessus. Ah, je suis folle comme la mère, je suis plus capable. Puis là, je me suis dit que l'été, avec comme soit l'été. Tu sais, mettons, si tu vas à la plage, en voyage ou peu importe, avec un maillot en dessous, ça peut être full beau. Ok, ça y est, j'ai trois. Oui, tu peux. Oh! Ah, ça me fait tellement penser à une de tes robes que t'as qui ressemble fou à ma robe de bleu. Ouais, mais comme check, c'est vraiment juste un par-dessus. Je le trouvais vraiment beau. Je pense que ça peut vraiment être cool pour elle. Fait que j'étais comme, si elle l'aime pas, ben moi, je vais le prendre. Ah! Non, j'aime vraiment ça. Ouais, hein? Je trouve ça vraiment cool. Il est full beau. Waouh, à date. Attends, j'ai pas fini. Ok, numéro 2. Nice! J'étais excitée, oh my god! Aujourd'hui, en fait, ok, bon, je vous fais une petite anecdote. Hier soir, Cass est venue chez nous, puis là, on était comme, ah, oh, qu'est-ce qu'on fait à soir? Moi, j'étais comme, on écoute un film, puis là, j'ai dit à Cass, fuck off, on crée un bonbon. Ah! C'est vrai, on te crée un bonbon. Fait que là, oh my god. On l'a mis sur mon écran de TV, puis on a fait son profil ensemble. Ouais, ouais. Puis là, quand Cass est en train de choisir les photos qu'elle mettait sur Bumble, c'est important. Qu'est-ce que je veux dégager, moi? Et comme, je trouve ça poche parce que quelle photo que je suis vraiment belle dessus, mais que je suis pas en maillot de bain? Ouais, parce qu'on met pas des photos. Fait qu'on va créer un compte Bumble. Fait qu'allez trouver sur Bumble, likez-moi. Ben non, likez-moi pas. Je comprends rien, en fait. Mais j'ai eu des matchs. Mais je vous avouerai que je comprends pas encore vraiment. Mais j'ai eu des matchs. Fait que le prochain article que j'ai vu, il est quand même sexy. Tu m'as acheté un article sexy? Ouais. Mais là, je me suis dit... Oh my god! Je me suis dit, elle va l'essayer à verra comment que c'est. Fait que va falloir que tu trouves de quoi à mettre en dessous si tu veux le mettre en public parce que... Ah ouais? Oh my god, tu m'as acheté un article sexy! Des coquilles. Parce que je suis rendue célibataire! Fait que l'article sexy m'a coûté 2,49$. Tabarnak! Pas cher. Puis c'est le devant. Qu'il y a des petits lacets comme ça ici. Puis oh my god, c'est vraiment une grande gueule. Je pense que oui. Tu peux ouvrir mes yeux? Ouais, vas-y. Ah! Oh my god! Là, ça me faisait rire parce que elle faisait référence à une des photos que Marie elle a postées il n'y a pas si longtemps, puis elle a un petit affaire transparent de même, mais comme yo, c'est vraiment sexy, mais c'est beau. Fucking beau! Fait que j'étais comme, ouais, c'est quand même cute, on dirait que ça me fait penser à ça. Ben voyons donc! Mais c'est donc bien beau, j'aime full ça, c'est full mon genre. Ouais? Ben oui, je vais être sexy cochonne. J'aime trop ça. Non, mais j'aime trop ça, c'est rare en plus que je suis sexy cochonne. Je vais pouvoir me gâter ça. Oh, j'ai trop essayé! Oh my god, assois! Hey, 2,99$! 2,49$! Ben voyons donc! Fait que le prochain article, c'est un maillot de bain. Une pièce que j'ai trouvée, puis j'ai toujours reproché un peu à Cass de s'acheter des maillots de bain au village des valeurs. Parce que j'aime. Ouais, c'est vrai, ça m'étonne que tu trouves que ça m'étonne même que t'as checké. Ouais, je trouve que ça se partage pas vraiment, mais j'étais comme, je magasine pas pour moi, je magasine pour elle, je sais qu'elle aime ça. Fait que je me suis mis à regarder les maillots, puis là j'en ai trouvé un que je trouvais quand même vraiment beau puis cute. Mais j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop petit. Fait que ça va comme ça. Il coûte combien? Ben il a coûté combien? 5,99$. Ok, ben check, c'est pas cher pour un maillot. Ben c'est ça, fait qu'il y a plein de petits détails comme ça que j'aime bien. Puis regarde le beau aussi, fait que je le trouvais bien cute. Fait que... Tu peux regarder? Oui. Ah, il est donc bien beau! Tu l'aimes-tu pour vrai? Ben oui, mais je pense qu'il va faire moi. Ouais? Ah, wow! 5,99$. Voyons! C'est fou ma couleur, check, on dirait que ça me va déjà bien. Trouves-tu? Pas tant. Non? Oui. Mais moi, j'aime pas les pads en dedans. Mais non, on va les enlever, les colis de pads. Enlève-moi ça. Moi, j'ai acheté des belles boules. C'est super correct, c'est en soi. Fait okay. Que. Oh, mais nice. C'est dommage que des belles boules. Prochain. Ben oui, puis après ça, elle se demande pourquoi ça fait 2h30 que je suis partie. Ouais, partie tellement longtemps, là. J'ai eu le temps de me toucher. Arrête. Elle se touche pas chez nous. Ok, fait que ça, c'est un gilet. J'ai rien compris de ce que t'as dit dans le fond. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que quand j'ai vu ce gilet-là, j'ai pas eu le choix de le prendre. Okay. Il a coûté 6,49$.
Voyons, c'est vraiment okay. Pas cher. Fait que t'es-tu prête? Oui! Ah ben là! Ah, impossible, c'est le même, mais en rond! C'est le même chandail que les deux on porte aujourd'hui. Oh my god, en plus, je pense que le rose, ça me va bien. Fait que j'étais comme, j'ai pas le choix de prendre. Il est médium, par exemple, puis je pense que c'est un small, le nôtre. Check donc le mien. Je pense que c'est un small, ouais. Ouais, small. Fait que c'est un small, mais j'ai dit, regarde, le médium, il est beau, puis comme. Ah, c'est donc ouais, cool. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve un peu malaisant, je pense? Ben non, quoi donc? Parce que je pense qu'il est plus cher. Ben non, je te jure. Mais c'est vrai qu'il était pas cher. Je pense qu'il était comme 5,40. Ouais, 5,40. C'est 9 chez H&M. Puis ici, chez ben oui, Village des Valeurs, il est 6,50. Oh, c'est fait que moi, j'ai un peu ça acheter au village pour ça. Parce que des fois, je trouve que c'est j'aurais trop même cher pas pensé à ça. Fait que je l'ai pris parce que je le trouvais beau. Mais c'est un gros clin d'œil à notre là. Amitié. À notre non, amitié et à notre chandail pareil qu'on porte aujourd'hui parce que c'est le même. Oh! Ok, fait que prochain article. On reste un peu dans le même vibe de chandail. De petits gilets. De petits gilets dans les mêmes couleurs. Ok. Et différent. Ok. Tu m'excuses là. On dirait, je sais pas, je suis comme, on verra qu'est-ce que ça va donner. On dirait, je suis pas prête pour ça là, moi. Je fais comme okay, mais le il y a même chose, 6,49. Ok. Je pensais que tu regardais. Non, j'ai les yeux fermés. Fait que, ben, je trouvais que ça pourrait être beau avec quelque chose de quand même un pantalon unique, un jeans ou okay. Quelque chose de même. Ça fait un peu différent de ce que tu portes d'habitude. Fait que. Tu ouvres mes yeux? Oui. Ah! Check. Puis comme un peu col. Un gilet en velours. Ouais. Ah ben, crème! Ben moi, je veux qu'elle l'essaye, je suis sûre qu'il peut être beau. Parce que ouais. Je trouvais que le check est quand même un peu le même style, tu sais, comme le top comme qu'on porte en ce moment. Il est juste un petit peu plus haut dans le cou, fait que... C'est pas laid! C'est pas laid. Ton genre. C'est pas laid, mais c'est surprenant, je te dis. Ben c'est ça. Mais c'est pas laid. Mais la texture est plaisante, peut-être. Ouais, pour ça, je me dis peut-être que t'allais l'aimer. C'est sûr que si je mets ça pis t'es sûre que tu vas juste te frotter sur moi, genre pendant toute la soirée. Fait que ça pourrait être un bon argument pour le porter. Je dirais qu'en ce moment, c'est mon moins préféré. Prochain article, je sais pas à quel point c'est toi. Ok. Mais je l'aimais quand même, puis moi je m'en cherchais un depuis vraiment longtemps, fait que je me suis dit que si elle l'aimait pas, si elle l'aimait pas, étant moi. C'est ça. Fait que il était 4,99. Ok. J'ai fermé mes yeux, tu fermes mes yeux. Ouais, okay. Ouais. Fait que c'est comme ça. C'est juste un petit basic noir, mais je me dis que ça se met vraiment avec tout. Ok. Puis que tu pourrais bien l'aimer. T'es-tu prête? Ouais. Ah! T'aimes-tu ça? Non! T'aimes pas ça? Yo, j'haïs les gilets de même. J'haïs les gilets que je trouve ça fait Urban Planet. Oh, je trouve ça fait Gabrielle Marion. Je trouve ça fait Gabrielle Marion. Je trouve qu'elle a le même. Mais oui, toi. Avec son petit pantalon full serré. Mais je pense que son chandail comme ça, il est comme rose, comme l'autre. Ben oui, ben non, mais c'est vrai, mais c'est vraiment cas, girl. Mais moi, j'aime vraiment ça. Je trouve que l'été, avec un beau, tu sais, mettons, un jeans ou genre une jupe longue ou quoi, de comme pas trop serré, qui fait trop popoune. Ah, ben tu vas peut-être en hériter, ma bonne chambre de fille. Fait que non, c'est ça, j'étais comme, moi, je vais prendre. Vraiment, je trouve ça quand même beau. Ah, j'ai hâte que tu l'essayes et peut-être que tu vas changer tes idées. Ok, prochain article. Ok, prochain article, je l'ai acheté parce que je me suis dit, celle-là, si elle crop pas, j'ai gâché ma vie. Ok, si tu le gardes, t'as pas le choix de le crop. Fait que c'est un gilet que tu m'as acheté parce que tu t'es dit, elle va le crop. Ouais, je me suis dit qu'elle allait être beau si elle allait crop. Ok, si il crop. Pour le crop. Crop. On crop le chandail. On crop le gilet. Ok, fait que il est comme j'imagine crop. Mais même pas crop, il pourrait être beau, là. Ok. Puis lui, il était 9$. Oh, 9$, ça nous coûte cher. Fait que c'est ça, comme ça. Ok. Ben, basic, mais je me suis dit qu'il serait quand même beau en crop. Tu peux regarder? Attends. Ok, c'était vraiment faux. Attends. Voyons. Un rot qui est genre pas game. Ok, je peux regarder? Vas-y. Ah! Il ressemble à ton orange. Tu te rappelles l'orange que t'avais acheté à 7 quand t'avais magasiné pour lui puis qu'il aimait pas que tu t'avais écouté? Oui, c'est vrai. Non, je l'aime. En plus, j'en ai pas des beiges puis il va être comme large. Je pense qu'il va être cute. C'est vrai qu'il pue? J'ai besoin d'un lavage. C'est vrai qu'il pue? Non, j'aime pas ça. Ouf, arrête, j'aime pas ça. Ah, je l'aime. Ça, c'est mon style. Je suis dans. Simple, efficace, cute, mais il pue. Fait qu'on va le laver. Oui. Ok, celle-là, je l'ai pris parce que je trouvais qu'il ressemblait à un chandail sur une photo que t'as postée la semaine passée. Ouais. Fait que il ressemble à ça ici. Ouais. Ouais. J'étais comme. Il ressemble à ça, ouais. Il ressemble à ça, guys. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien? Fait que 8,45. Ok, quand même. Puis je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose d'intéressant à faire avec. Ok. Faut vraiment dire. Ouais. T'es pas sûre, hein? Mais check, il sort bien, par exemple. Avoue qu'il ressemble à ton chandail pas de manche que t'avais sur la photo chez Rosa. Ah, mais c'est pas à moi, c'est à Amy. Ben, c'est ça. Puis je l'aimais pas tant que son gilet. J'ai emprunté parce que j'avais comme pas le mais choix. Non, je trouve que c'est beau, mais on dirait que je mets pas. Check, parce qu'il est lousse, le tissu est vraiment le fun, puis j'étais comme. Oh, il pue. Ah non, arrête. Oh, je te jure. Je vais pas sentir.
C'est deux en deux qui puent. Ben, il est pas laid, là. Non, mais je me suis dit, soit genre... tu crop. Wow. Soit tu, si tu le crop, il peut être vraiment beau parce que la texture du chanel est quand même vraiment cool. Mais c'est des belles couleurs, par exemple. Ouais. C'est un beau or avec du beau rouge. Fait que je me suis dit que si tu le cropais de même, ouais, il y a peut-être du potentiel. Ouais, il y a quelque chose à faire avec. Ouais, il y a quelque chose. C'est ça. On va essayer de le crop. Pour l'instant, on va le mettre à terre parce qu'il pue. Prochain article, celui-là, je me suis dit, c'est vraiment casse. Oh my god, j'ai trop hâte! Fait que je l'ai pris. Puis je le trouvais cool parce que, hey, c'est mon article le plus cher. Ok, c'est lui? C'est 10,40. C'est l'article de luxe. Ouais, j'espère qu'elle va l'aimer parce que je vais vraiment être déçue sinon. T'es-tu prête? Ouais. Ah! T'aimes-tu? Oui! T'sais, on dirait que c'est ton genre. Puis là, j'étais comme, je l'ai pris, puis je trouvais qu'elle était quand même longue. Fait que j'étais comme si, tu sais, tu mets en robe, genre ceinture de même, ou avec comme un petit cuisson, ouais, genre, ou quoi, ça peut avec être avec une petite casquette l'été, ça peut être cute. Ou pas de casquette. Ben ouais, avec une casquette, pourquoi pas. Ça peut être des gros running shoes. Des gros running shoes. Épais, genre, mais avec tes gros running shoes blancs. Ouais. Avec comme un petit cuissard, ouais. Si c'est pas assez longue. Ouais, non, ça peut être cute. Puis tes cheveux lousses frisés avec des petites lunettes carrées style ribbon. Ouais, ben cool. Il reste trois articles. Okay. On y va avec celle-là. Là, je l'ai pris dans la section mes enfants. Puis, j'ai trouvé vraiment nice. Okay. C'est un bas, comme ça. Puis, en bas, ça. Je trouve ça le fun. Okay. Faudrait qu'on revienne dans le temps. Fait que t'es prête? Ouais. T'ouvres mes yeux? Ouais, go! Ah! Les aimes-tu? Ben oui! Mais c'est ça, check, j'aime pas la ceinture, mais ouais. Elle est vraiment pas belle. Fait que. Mais non, elle est chill. Non, check, elle est vraiment dégueu. Ok, tu veux dire, elle est maganée. Ouais, elle est vraiment maganée. Okay. Fait que je trouve que j'apprête. Il y a les petits poches. Puis check, j'aimais full ça. Puis elle les lançait dans le bas, comme dans le temps. Serrer. Tu peux le serrer, puis tu peux les mettre longs, puis un peu plus. J'aime ça. En plus, je pense qu'ils vont être pile ma grandeur. Puis il était 5, et je pense qu'il m'les a vendus à 5,49. Ouais, non, son neige, je suis sûre, ça va être cool. Tu sais, avec un petit top blanc, justement, ben ça. Ouais. Mais genre avec des gros Doc Martens, ça pourrait être cool. Ouais, ouais. Ou l'été, comme mettons ça, serré dans le bas. Avec tes gros plateformes blancs puis comme un chandail blanc. Ouais, ouais, c'est vrai, ça peut être cute. Ok! Ok! Fait que là, les deux derniers articles, je vais les montrer en même temps. C'est quelque chose qu'on portait en même temps. Ouais. Ok. Parce que c'est la même chose, mais différents modèles. Ok. Puis c'est quelque chose qu'on portait dans le temps. Puis je sais pas pourquoi, mais quand je suis passée devant, je me suis dit, ça pourrait être vraiment beau l'été. C'est quelque chose que d'après moi, peut-être qu'un jour ça va revenir à mode ou peut-être que c'est encore à mode puis que les gens le portent. Je peux regarder? T'es-tu prête? Ouais, je suis prête. Ok, vas-y. C'est deux pareos. Tu te rappelles des pareos là? Tu sais, t'achetais ça. Oui. Les, comme pour aller à la plage, puis check, t'as le petit trou ici. Fait que là, tu peux rentrer comme ouais, ton comme truc, puis te l'acheter. Puis celui-là, il était 3,99. Oui, je trouvais que les motifs le étaient motif nice. Puis regarde, j'ai pris lui aussi. J'aimais pas ça aussi. Poisson. Moi, je préfère lui, c'est plus mon genre. Bravo. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cool, hein? Ouais, full. Fait que tu veux-tu essayer de ça? J'en ai un qui ressemble à ça. Ah oui? Oui. Ça, c'est pas de chemise. Non. T'as un pareo? Mm-hmm. T'as des pareos chez toi? Ben, il était court, par exemple. Ah ouais? Ouais. Moi, en toute franchise, je trouve que t'as relevé le défi en tabarnak. Ah, hein? Pas super. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment fière. Je te dirais que mes morceaux coup de cœur, c'est la chemise, genre rouge. Ouais. Ça, c'est fucking mon style. La petite camisole noire en dentelle, je l'ai full aimée. Ouais, elle fait vraiment bien. Le maillot? Le maillot? Ouais, le maillot. J'ai maillot, full aimé. Ouais, vraiment. Ouais, full. Sinon, j'aime full. Comment on dit ça, le baléro ou le boléro? Pareo. Ah, pareo. Collé, j'étais pas trop chanestie. Le pareo bleu avec les. Avec les dragons. Ouais, les dragons. J'allais full aimer. Full. Mon morceau moins préféré, je pense que c'est le petit gilet rose. Mais pour vrai, ok, est-ce que vous pouvez dire comment qu'il va bien pour vrai? Ah ouais? Il allait vraiment bien. Puis juste vous dire qu'elle avait pas de brassière avec non plus, à quel point ça fait des beaux temps. Ah, j'ai full aimé le col roulé beige. Ah oui! Oui, je l'avais dit qu'il fallait qu'elle croppe. Ouais. Il est full simple, mais c'est un beau baiser qu'il y a à avoir. Ouais. Fait que merci. Bravo. Tout le reste que j'aimerais pas, ben je te le connais. Mais moi pour vrai, et bref, maillot, je pense que tout le reste est vraiment laid. Fait que là, ben, écrivez dans les commentaires c'est quoi votre morceau préféré, parce qu'on a bien beau avoir des coups de cœur à nous, on se demande c'est quoi vos coups de cœur à vous, tu veux dire? Ouais. J'espère que vous avez aimé ça, puis si vous avez pas aimé ça, ben... Mangez la liste! Bye! Bye Caroline!